Assalamu alaikum wa rahmatullah. Voici la quatrième vidéo du chapitre 11, la partie 2, travail et énergie. À la fin de cette partie, vous serez capable de définir l'énergie, calculer l'énergie cinétique d'un système, appliquer le théorème de l'énergie cinétique, calculer l'énergie potentielle de pesanteur, calculer l'énergie mécanique et appliquer le principe de conservation de l'énergie mécanique. Dans cette vidéo, on doit définir l'énergie et calculer l'énergie cinétique d'un système. Dans les vidéos précédentes, on a défini le travail effectué par une force constante et on a déterminé son expression qui est égale au module de F fois module de AB fois cosinus de l'angle entre F et AB. Le travail effectué par une force constante est indépendant du chemin suivi par l'objet. Le travail est une quantité algébrique qui peut être positive, négative ou nulle selon la valeur de alpha. Le travail effectué par le poids sur un chemin quelconque est égal à mg, h initial moins h final. La puissance est la quantité d'énergie transférée par unité de temps, ou c'est le taux de travail. Dans la vie quotidienne, on pense à l'énergie en termes de carburant pour le transport et le chauffage, l'électricité pour l'éclairage et les appareils, et les aliments pour la consommation. Cependant, ces idées ne définissent pas vraiment l'énergie. Ils nous disent simplement que les carburants sont nécessaires pour faire un travail, et que ces carburants nous fournissent ce que nous appelons l'énergie. Les définitions de grandeur telles que la position, la vitesse, l'accélération, la force et les principes associés tels que la deuxième loi de Newton nous ont permis de résoudre des problèmes divers. Mais certains problèmes sont difficiles à résoudre avec les lois de Newton, mais ils peuvent être simplifiés avec l'étude de l'énergie. Considérons ces deux mouvements. Il est difficile d'étudier le mouvement là où il y a des montées et des descentes dans la piste, et on n'est pas familier avec la projection du poids, comme exemple, pendant ce mouvement, puisque l'angle entre le poids et la trajectoire est variable. On a besoin alors plus de détails pour le résoudre. Mais l'approche énergétique pour décrire le mouvement est utile. On va décrire des techniques pour traiter telle situation à l'aide d'un concept important appelé conservation de l'énergie. On commence cette discussion en explorant la notion d'énergie. L'énergie exprimée en joules est définie comme la capacité d'effectuer un travail. Comment cela se passe-t-il? Si vous effectuez un travail moteur sur un objet, l'objet reçoit de l'énergie. L'énergie totale de l'objet doit augmenter. Alors on dit que l'énergie est transférée au corps. De plus, si on considère cette scène où le soleil fournit la chaleur à cette région, la lumière du soleil est convertie en énergie électrique à travers les cellules solaires. Alors, on dit que l'énergie se transforme d'une forme à une autre. L'énergie ne peut ni se créer, ni se détruire, mais uniquement se transformer d'une forme à une autre. L'énergie possède de nombreuses formes comme l'énergie solaire ou radiante, l'énergie chimique, thermique, nucléaire et mécanique. L'énergie mécanique est l'objectif de cette leçon. L'énergie mécanique a deux formes, cinétique et potentielle. On va commencer par l'énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? C'est l'énergie que possède un corps à cause de son mouvement. On considère un marteau en mouvement, utilisé pour enfoncer un clou dans une planche en bois. La force exercée par le marteau sur le clou effectue un travail
qui entraîne à un transfert de l'énergie cinétique vers le clou, ce qui l'enfonce dans le bois. Mais si le marteau était au repos, alors pas de mouvement et pas d'énergie cinétique. On dit alors que l'objet en mouvement a une énergie cinétique, alors que tout objet immobile n'a pas d'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique dépend de la vitesse du corps, comme montre son expression. EC est égal à 1/2 mv². Sachant que EC est l'énergie cinétique, m est la masse de l'objet, v est la vitesse de l'objet. EC est exprimé en joules dans le système international, m en kilogrammes et v en mètres par seconde. M et V au carré sont toujours positives, alors l'énergie cinétique est toujours positive. Exemple 1. On a une course de moto. On doit calculer l'énergie cinétique au point A que possède le système moto et homme dans chacun des cas suivants. On note que la masse du système moto-homme est donnée par 250 kg. Le système étant au repos au point A, VA est égal à 0 m par seconde, alors ECA qui est égal à 1/2 mVA² est égal à 0 joules. Dans le deuxième cas, le cycliste se déplace et sa vitesse sera 10 m par seconde au point A. Alors, l'énergie cinétique au point A est égale à 1/2 mVA² qui est égal à 1/2 250 × 10^2, ça fait 12 500 joules. Mais maintenant, si la vitesse au point A est doublée, c'est-à-dire VA serait à 20 m par seconde, est-ce que l'énergie cinétique est doublée? On va voir. ECA est égal à 1/2 mVA², ça fait 50 000 joules, qui est différente de 2 × 12 500, trouvé dans la partie précédente. Alors, il est clair que plus l'objet se déplace rapidement, plus il a d'énergie cinétique. Mais EC n'est pas directement proportionnel à la vitesse, mais à V². Au contraire, à sa relation avec la masse, où il est évident qu'elles sont proportionnelles les unes aux autres. Pour prouver la proportionnalité, posons cette question. Lequel nuira le plus le cygne s'il le heurtait? L'éléphant de grande masse ou l'homme de petite masse, sachant qu'il se déplace à la même vitesse? Regardons ce qui se passe lorsque l'homme heurte le cygne. Le cygne n'est pas tombé. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'il est heurté par l'éléphant? Il est clair que l'éléphant, de plus grande masse, fait plus mal à la même vitesse. C'est parce que l'énergie cinétique de l'éléphant est plus grande que celle de l'homme. Enfin, plus de masse, plus d'énergie cinétique. Note spéciale. Si le système est lâché du repos, alors la vitesse initiale était 0 m par seconde et par suite EC à t égal à 0 est égal 0 joules. L'énergie cinétique d'un système de particules est égale à la somme des énergies cinétiques de chaque particule. EC du système est égal à 1/2 mV² plus 1/2 mV² plus etc. Conversion d'unité. 1 gramme est égal à 10 − 3 kg. Par exemple, si la masse est égale à 200 grammes, on la multiplie par 10 − 3 pour la trouver en kilogrammes. Alors m est égal à 0,2 kg. 1 km par heure est égal à 1 sur 3,6 mètres par seconde. Par exemple, si la vitesse est égale à 100 km par heure
Elle est égale à 27,77 mètres par seconde en divisant 100 sur 3,6. Application. Un élève debout sur le sol lance une balle de masse M égale 500 grammes verticalement vers le haut. La balle laisse la main de l'élève avec une vitesse VO est égale 9 mètres par seconde. Prendre G est égale 10 mètres par seconde carré et AB est égale 10 mètres. Premièrement, calculez l'énergie cinétique que possède la balle dans les positions différentes suivantes. En haut, la position de lancement. On applique tout simplement l'expression de l'énergie cinétique EC en haut est égal à 1 demi M VO au carré. Ça fait 20,25 joules. En A, la hauteur maximale. On sait qu'à la hauteur maximale, la vitesse sera 0 en lancement vertical. Alors, ECA est égal à 0 joules. Partie 2. Calculer la vitesse à la position B si l'énergie cinétique au point B est égale à 50 joules. Appliquant l'expression de l'énergie cinétique, remplaçant chaque terme par sa valeur, on peut déterminer VB alors qui est égal à radical 2 fois 50 sur 0,5. Ça fait 14,14 mètres par seconde. N'oubliez pas de rappeler les idées principales de cette vidéo. C'est la fin de cette partie. Merci pour votre attention.